Venez adorant, prosternons-nous devant le Christ, Fils de Dieu, admirable en tes saints. Sauve que te chantons, Alléluia. Venez, adorons, prosternons-nous devant le Christ, Fils de Dieu, admirable dans tes saints, sauve-nous et te chantons, Alléluia. Acclamez le Seigneur terre entière, servez le Seigneur dans l'allégresse. Allez à lui avec des chants de joie. Fils de Dieu, admirable dans tes saints, sauve-nous qui te chantons, Alléluia. Sachez que lui, le Seigneur, est Dieu. Il nous a fait et nous sommes à lui. Son peuple, le troupeau de son bercail. Fils de Dieu, admirable dans tes saints, sauve-nous qui te chantons, Alléluia. Allez à ses portiques en rendant grâce. Entrez dans ses parvis avec des hymnes. Rendez-lui grâce et bénissez son nom. Fils de Dieu, admirable dans tes saints, sauvez-nous qui te chantons, Alléluia. Oui, le Seigneur est bon. Oui, éternel est son amour. Sa fidélité demeure d'âge en âge. Fils de Dieu, admirable dans tes saints, sauve-nous qui te chantons, Alléluia. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, ô Dieu qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. Fils de Dieu, admirable dans tes saints, sauve-nous qui te chantons, Alléluia. Que notre nourriture soit.
soldats. Donne-nous aujourd'hui, Seigneur, le pain de vie. Psaume 5.
cherche Dieu ne manque d'aucun bien. Venez, fils, écoutez-moi. La crainte du Seigneur, je vous l'enseigne. Renonce au mal, pratique le bien, recherche la paix, poursuivant. Suivez les champs, la face du Seigneur, courtez de la terre vers les moines. Pour les justes, les yeux du Seigneur, et pour leur clameur, ses oreilles. Il crie le Seigneur, écoute. S'il les délivre. Des cœurs brisés, le Seigneur est proche, il sauve les esprits abattus. Malheur sur malheur pour les justes, mais de tous le Seigneur les délivre. Le Seigneur garde tous ses os, pas un ne sera brisé. Le Seigneur vient racheter ses serviteurs qui s'abritent en lui n'expira point. Rends gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs pour les siècles des siècles. Tu nous rassasies de bonheur en ta maison. Tu nous fais vivre auprès de toi dans la joie du salut. Cantique de la sagesse, page 264. La sagesse protégea le premier homme modéré qui avait été créé. C'est elle qui le tira de sa propre chute et lui donna la force de devenir maître de tout. Au sein de la sagesse, mis le salaire de la peine, elle est guida par le chemin merveilleux. Elle donna pour plein d'abri pendant le jour et de lumière durant la nuit. Leurs ennemis et les rejeta dans les profondeurs de l'abîme. Ainsi le juste Seigneur célèbre ton saint nom et un cœur unanime chante ta main secourable. Psaume 146. Seigneur qui bâtit.
puissant, en lui l'intelligence est sans mesure. Le Seigneur soutient les humbles, jusqu'à terre il abaisse les impies. Entendez pour le Seigneur l'action de grâce, jouez pour notre Dieu sur la harpe. Lui qui trame les cieux nuits, qui prépare la pluie à la terre, qui fait germer l'herbe sur les monts et les plantes au service de l'homme, qui dispense au bétail sa pâture, au petit du corbeau qui crie. Son amour. Oh, gloire, oh, Père puissant, à son Fils Jésus-Christ, le Seigneur. À l'Esprit qui habite dans nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. Du livre de vie de Jérusalem au chapitre Joie. N'oublie pas pour autant que la joie est fille du sacrifice. La vraie joie naît de l'effort, de l'épreuve, de la souffrance, tout comme l'allégresse de Pâques a jailli de la croix. Tenez donc pour une joie suprême, mes frères, d'être en butte à toutes sortes d'épreuves. Dans les difficultés, les insultes, les contrariétés, les persécutions, réjouissez-vous, car votre récompense est grande dans les cieux. Il n'y a pas de joie profonde sans ascèse et sans participation active à la croix du Christ. Dans la mesure où vous participez aux souffrances du Christ, réjouissez-vous afin que, lors de la révélation de sa gloire, vous soyez aussi dans la joie et l'allégresse. Le jeûne, la chasteté, l'éveil, le pardon des offenses sont autant d'attitudes du cœur, de l'esprit et du corps qui réjouissent l'âme. Et pour l'homme au cœur droit, la joie. Même si tout châtiment de Dieu n'est pas d'abord sujet de joie, l'ascèse, au terme, débouche toujours sur la sérénité. Au soir, les larmes, au matin, les cris de joie. Pour moi, tu as changé le deuil en une danse. Tu dénouas mon sac et me ceignis d'allégresse. Livre-toi à l'ascèse, et tu connaîtras la joie parfaite. Présente ton épaule au fardeau de la discipline. Ne sois pas impatient de ces liens, car à la fin, tu trouveras en elle le repos, et pour toi, elle se changera en joie. Si tu peux dire un jour, toi aussi, que tu ne te recherches plus, tu mèneras la vie la plus heureuse que l'on puisse voir, car toute ta vie sera tendue dans l'espérance du vrai bonheur. Comme il est dit, l'attente des justes n'est que joie.
Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Aie confiance, mon enfant, tes péchés sont remis. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire. En ce temps-là, Jésus monta en barque, refit la traversée et alla dans sa ville de Capharnaüm. Et voici qu'on lui présenta un paralysé, couché sur une civière. Voyant leur foi, Jésus dit au paralysé : Confiance, mon enfant, tes péchés sont pardonnés. Et voici que certains parmi les scribes se disaient : Celui-là blasphème. Mais Jésus, connaissant leurs pensées, demanda : Pourquoi avez-vous des pensées mauvaises ? En effet, qu'est-ce qui est le plus facile ? Dire « Tes péchés sont pardonnés » ou bien dire « Lève-toi et marche ». Eh bien, pour que vous sachiez que le Fils de l'homme a le pouvoir sur la terre de pardonner les péchés, Jésus s'adressa alors au paralysé « Lève-toi, prends ta civière et rentre dans ta maison ». Il se leva et rentra dans sa maison. Voyant cela, les foules furent saisies de crainte et rendirent gloire à Dieu qui a donné un tel pouvoir aux hommes. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Béni soit le Seigneur Dieu d'Israël. Il visite et rachète son peuple. Il nous suscite une force de salut dans la maison de David, son serviteur. Comme il a dit par la bouche des saints, ceux d'autrefois, ses prophètes. Salut qui nous arrache à l'oppresseur. Aux mains de tous nos ennemis. Amour qu'il scellait avec nos pères et souvenir de son alliance sainte. Serment juré à notre Père Abraham de nous donner qu'affranchis de la crainte et délivrer des mains de l'oppresseur. Nous le servions justice et sainteté, devant sa face tout au long de nos jours. Et toi, petit enfant, qu'on nommera prophète du Très-Haut, tu marcheras devant la face du Seigneur pour préparer ses chemins. Tu annonceras son peuple le salut. Par l'amour du cœur de notre Dieu, soleil levant qui vient nous visiter. Lumière d'en haut sur ceux de la ténèbre qui gisent dans l'ombre de la mort. Et guide pour nos pas au chemin de la paix. Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs pour les siècles des siècles. Thank you.
Toi, le feu d'éternité, tu nous as préparé la Pâque et tu nous as servi. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, tu as voulu, Seigneur, qu'en recevant ta grâce, nous devenions des fils de lumière. Ne permets pas que l'erreur nous plonge dans la nuit, mais accorde-nous d'être toujours rayonnants de ta vérité. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Bénissons le Seigneur. Nous.